Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 17 au 19 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton « Abonner ». Ok, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si elle ne résonne pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, just please give me a reading for. Syrian, please. 19th of October, 2020. Les cancers, pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes déjà en couple. Vous êtes heureux. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il est probable que vous venez de rencontrer un nouveau partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous risquez ici de rencontrer quelqu'un peut-être dans un parc, dans une ferme. Mais on a ici quelqu'un qui va être émerveillé par votre beauté. On a ici quelqu'un qui va avoir envie d'être en couple avec vous as well. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes déjà en couple, il est probable que vous et votre partenaire, vous essayez d'apprendre à mieux vous connaître. Peu importe le nombre de temps que vous avez été ici dans une relation avec une personne, vous êtes toujours en plein stage de... comment on dit ça? Vous êtes toujours ici en train d'essayer de construire la base d'une relation, la base d'une connexion. Vous essayez d'apprendre les défauts de votre partenaire et d'apprécier les qualités de votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, as well, si vous êtes ici en pleine période de réconciliation avec un partenaire que vous avez aimé, un partenaire avec qui vous êtes déjà allé à l'école, pour d'autres, c'est peut-être un partenaire du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Il y a une certaine structure dans votre connexion qui est en train de devenir unbreakable. Une certaine structure dans votre connexion qui ne peut pas être défiée par la jalousie des autres, qui ne peut pas être détruite par les autres, que ce soit les membres de votre famille ou encore que ce soit ici vos amis ou encore les gens qui voudraient vous voir séparés, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où on a carrément le retour de votre ex, un ex que vous avez aimé, quelqu'un peut-être que vous avez rencontré en été, on a ici une réconciliation qui risque d'être très forte, une réconciliation qui risque même de vous amener au mariage, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez par contre un ex qui a envie de revenir dans votre énergie. Il n'arrête pas de penser à vous, il veut revenir, il y réfléchit encore, il ne sait peut-être pas comment faire pour vous approcher, comment faire pour vous dire qu'il a toutes ces émotions-là même pour vous dans un certain sens, ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous avez un partenaire qui veut revenir vers vous, un partenaire qui vous aime, qui a l'impression ici que, you know, vous êtes faite pour lui, faites attention. Parce que j'ai l'impression que la famille risque de se lever. Les jaloux risquent de se lever. Même si cette réconciliation n'est pas brisable par ces personnes, ça ne veut pas dire que ces personnes ne vont pas quand même essayer de vous séparer. Il est probable que vous avez des gens qui jalousent votre bonheur. Vous avez ici des gens qui ne veulent pas vous voir heureux. Un peu une autre partie d'entre vous. Si vous êtes ici dans une situation où vous auriez dû vous marier depuis très longtemps, mais vous ne vous êtes pas marié à cause de problèmes familiaux, etc. On a ici les anges qui me parlent de la réouverture d'un ancien chapitre et du commencement d'un nouveau on dit quoi, d'un nouveau verset. Nouveau verset, nouveau sub-chapter. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, on a ici une réconciliation qui est en rapport avec un mariage. Je vois ici quelqu'un qui voudrait peut-être même se marier avec vous derrière le dos de ses parents. On a ici quelqu'un qui voudrait s'évader avec vous et faire de telle sorte que les parents vraiment ne puissent atteindre son bonheur. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un as well qui
Peut-être à un certain moment donné, a voulu écouter les parents, a voulu faire comme de la manière dont il a été éduqué. Quelqu'un qui a voulu peut-être ici suivre la tradition pour éviter d'être en couple avec vous parce qu'il y avait opposition. Mais on est ici dans des situations, on a les anges qui me disent que ça crée beaucoup plus de douleur dans le cœur de votre partenaire, que ça vous crée de douleur aujourd'hui. Peut-être que dans le passé, c'est quelque chose que vous ne compreniez pas. Peut-être que dans le passé, vous étiez affecté par une séparation. Mais il est probable qu'aujourd'hui, vous avez dit bye à votre partenaire. Vous lui avez dit, écoute, si pour toi, la tradition familiale est plus importante que les émotions que nous éprouvons ensemble, il n'y a pas de problème. Reste avec ta famille, reste avec ta mère, reste avec ton père. Hein. Moi, je vais continuer ma route de l'autre côté de la montagne. On va aller voir ailleurs si je peux trouver un autre homme beaucoup plus beau que toi, beaucoup mieux que toi, whatever. Et vous avez ici un partenaire qui prend très mal votre décision de rester célibataire, votre décision de vous trouver quelqu'un d'autre. Si dans le passé, on a ici quelqu'un qui se battait pas pour vous récupérer, aujourd'hui, on a ici quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Et vous avez cette personne qui va rentrer en contact avec vous, qui va initier une réconciliation. Mais dès qu'une réconciliation va être initiée, on a ici les parents de votre partenaire qui, derrière votre dos, feront tout pour séparer cette union, feront tout pour que vous ne puissiez pas être ensemble dans un certain sens, ok? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que le problème principal que vous avez ici dans une relation est en rapport avec le père d'une personne. Pour d'autres, c'est peut-être la mère, mais ici, je vois le père. On a ici le père de quelqu'un qui voulait que sa fille épouse un autre homme. On a ici un mariage arrangé as well qui était sur le point de se passer. C'est peut-être aussi le père de votre fiancé parce que pour certains patients, j'ai l'impression que vous risquez d'être fiancé mais sans un accord parental. On a ici le père de votre fiancé qui avait arrangé un mariage avec une autre, l'un de ses amis, la fille de l'un de ses amis, something like that. On a ici quelqu'un qui voulait faire de telle sorte que son fils rencontre le fils de son ami. Le fils, c'est peut-être un gay. La fille de son ami, you know what I mean? Mais j'ai l'impression que vous avez un partenaire qui cherche à fuir cette situation. Recourir dans vos bras, être avec vous. Puis c'est un partenaire, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui pratique l'équitation. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui habite dans un pays tropical, un pays où il ne neige pas. D'accord? Et j'ai même l'impression que vous avez déjà visité votre partenaire dans son pays, dans sa ville. Oui, c'est un parti dans vous. Il est aussi probable que vous n'en avez rien à cirer, que les parents de votre partenaire ne veulent pas d'une union. C'est quelque chose qui ne vous affecte plus. Il y a des choses qui ne vous affectent plus. Il y a un certain manque de considération qui ne vous affecte plus. Pour une autre partie dans vous, il est aussi probable que vous êtes ici très, très indépendante et... pour vous, c'est un peu comme si le fils, leur fils peut-être ou leur fille a beaucoup plus intérêt à être avec vous que vous, vous avez intérêt à être avec lui. You know what I mean? On va essayer de rentrer dans un peu plus de détails concernant cette situation, voir un peu comment elle va se développer. La suite, c'est sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans mon commentaire pour me retrouver là-bas. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien. On a les lions, les béliers et les vierges. Bisous, bye.